Bon, on avance sur cette petite vidéo, les amis. Vidéo du booster. Épisode 2. Non, épisode 3. Ah, oh, je ne sais plus. Bref. Donc, la dernière fois qu'on s'était arrêté sur ce petit projet, on l'a fait démarrer. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est poser la roue. Donc, je vais être obligé de démonter le pot d'échappement, là. Parce que la roue, en fait, est grosse comme ça. Voilà. Donc là, je vais démonter le pot d'échappement. Il va falloir que je fixe la roue. Pour fixer la roue, il faut que je meule ici. Donc je vais être obligé de meuler. Hein. De toute façon, je vais tout vous montrer, les amis. Et là, l'objectif de cette vidéo-là, c'est de finir de monter la roue, l'échappement, support moteur, de le dessouder, ressouder correctement pour que ça soit aligné à la roue de devant. Peindre la roue avant à roue arrière de la même couleur. Remettre tout ce qui est le câble d'accélérateur correctement, filtre à air, enfin tout le merdier, la selle. On pose juste la selle et on met pas les carénages et on fait les premiers tests. Donc il y a aussi l'amortisseur de direction à mettre. Hein. Je l'ai acheté, il est là. Il est là, voilà. Bon, c'est pas un truc de Wish, mais pas loin, hein, ça vaut 30 balles. Donc il va falloir qu'on le fixe nous-mêmes. Mais voilà, donc il tourne. Là, il reste vraiment juste à remettre les freins, 2-3 conneries. On fait les premiers tests parce que du coup il tourne. Là maintenant il faut faire les premiers tests et faut le régler. Donc c'est Germain qui va se coller à faire les premiers tests de réglage parce qu'il y a quand même un peu de boulot et que c'est lui qui doit avoir au niveau de l'accélérateur. Et une fois que ça c'est bon, on va faire les premiers essais. De toute façon on va filmer, on va se foutre derrière. Il y a une putain de ligne droite sans dodane, c'est lisse et tout nickel. On va essayer de bloquer la route. Donc ça va être encore faute l'eau. J'espère on va pas se taper les flics. Enfin bon, c'est pas très grave. Hein. Au pire on montrera qu'on est en train de faire un tournage. On a l'habitude. Voilà. Donc je vous balance le petit générique les gars et on se retrouve direct pour l'avancement de ce petit projet qui est pas un si petit projet, hein. C'est l'un des projets les plus longs je pense qu'on a fait, après le G20 peut-être parce que le G20 il y avait quand même pas mal de boulot, mais bon c'est encore autre chose quoi, voilà. Allez générique. Bon, j'attaque sur le démontage. Je vais démonter l'échappement. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre les outils de jardin. Franchement, c'est un projet qui est assez intéressant à faire. Et je pense que si ça vous plaît et qu'on fait un peu de vue là-dessus. Je pense que je me referai un deuxième, mais un truc différent, un truc qu'on puisse rouler juste pour faire du... Là, celui-là, c'est pour faire du run, genre de la ligne droite, tu vois, sur 200 ou 300 mètres grand max. Mais je pense que je me ferai un truc pour faire des wheeling, tu vois. Un truc de stunt, un truc qui fait n'importe quoi, tu vois. Un stunt trop, tu vois, en sans fast, ça serait énorme, ça serait énorme. Ah, le bordel. Donc, faut pas... Si, faut le meuler, mais pas beaucoup, hein. Quoique, si ça frotte un tout petit peu, ah, c'est vraiment léger quoi. Ça fait même chier parce que c'est pas. c'est vraiment léger, j'ai envie de te dire. Ouais. Ça aurait pu se faire un petit peu tout seul. Bon, je vais mettre un coup de marqueur, je vais y mettre un coup de meule. Ça va être incroyable, la taille du pneu il est énorme. Je vais mettre un petit coup de meule. Bon, après, vous allez me dire, oui, c'est dommage, tu l'avais peint. Bah ouais, c'est dommage, j'ai fait que ça. Je l'ai peint, on l'a meulé, on l'a repeint, ça casse les couilles. Donc là, je vais pas non plus me prendre la tête, hein, parce que c'est un truc pour faire des runs. Je le fais bien, mais voilà. Donc là, je vais remeuler encore un petit coup. Et ça se verra pas parce que c'est derrière. Donc c'est pas très grave. Donc je prends ma super meule Milwaukee. C'est quand même incroyable le matos Milwaukee.
Ok, on en est là. Ça va donner ça, les gars. Donc, comme tu peux voir, voilà. Tu vois, par rapport à la roue de devant, admettons. Là, tu te dis le tube. Il faut que ça soit centré au tube, tu vois. Le tube, il est là. C'est à ça, là, c'est le centre aussi. Donc, forcément, tu vois bien, c'est pas centré, quoi. Hein. Il est là, le centre. Donc, pour qu'il soit là, ouais, en fait, on a l'équivalent de 5 cm. Aïe, aïe, aïe. Donc, là, il va falloir qu'on se fasse chier à décaler tout, là. Est-ce que ça, ça va être comme ça. Ça va nous donner aussi l'assise. Je sais pas comment il va être. Il est incroyable ce truc. Donc voilà, donc là ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est que je fasse un support de pot d'échappement. Pour pas que ça touche trop, tu vois, pour pas que ça touche du tout même. Ici, donc il va être décentré, tu vois, désaxé. Il va être comme ça, donc il faut que j'utilise ce support là. Je pense que je vais mettre des cales ici, je vais le plier, je vais faire un L. Je vais le mettre dans l'étau, je vais le frapper, je vais faire un L. Comme ça, je vais faire ma patte en L, mais je vais le plier d'ici, quoi. Parce que sinon, il va toucher le pneu. Parce que tu as vu, il n'y a pas beaucoup. C'est quand même chaud, chaud, chaud. Hein. Faut que je recommande, il me manque deux tétines là, pour la pompe à eau. Parce qu'à la base d'origine, il y avait une pompe à eau électrique, mais là, je ne mets pas de batterie. On s'en branle, voilà. Une fois que j'aurai fait tout ça, on démontera tout. De toute façon, une fois que le support sera fait, on démontera tout pour peindre le cadre. Voilà. Mais là, je vais peut-être essayer, comme il a dit, Germain, de le décaler. Donc celle-là, de la mettre là. Celui-là, il va y avoir plus de jeu. Mais c'est pas grave, parce que si on en arrive à récupérer ne serait-ce que 5 cm, ben ouais, on va les avoir. On va peut-être avoir 4 cm. Je vais régaler. Allez, je vous remets là. Mais celui-là. Celui-là, on peut le garder là. Putain, ouais, si on fait ça, on est pile poil au centre. Ah! Tu vois, on va faire ça. Celui-là, on va le mettre ici, à l'extérieur du support moteur. Et le deuxième, en fait, on va juste couper le deuxième, en fait, et se le ressouder dessus. Donc, faut qu'on mette le moteur de niveau, tu vois, pour qu'on soit droit. Après, c'est pas obligé que ça soit super droit droit, mais c'est surtout qu'il soit pas décentré. Et comme ça, au pire, on coupe juste celle-là. Et on va la ragrandir, on va en refaire une. Je coupe là, je coupe là, celui-là je le fixe dessus et je fais une tige, je pointe, je soude. Voilà. Donc je garantis pas de la perfection de la soudure. Hein. Ça, on est plus dans le domaine de mon pote Oldies Custom, tu vois. Parce que lui, il sait faire des belles soudures. Mais t'as compris, je vais pas monter en Normandie pour aller faire une petite soudure. Bon, ben, on va s'en occuper, on va le faire nous-mêmes. Si je te dis, j'ai acheté un poste à souder de ouf, on va le faire. Voilà. Mais là, on serait pas mal. Le moteur est quand même bien sorti, mais on s'en fout. Faut qu'il soit centré, quoi. Voilà. Et bah écoute, la suite demain. Hein. Oula, qu'est-ce que j'ai tapé. Allez, on avance. Bon, j'ai fait un investissement. J'ai acheté un support de GoPro frontal pour pouvoir vous montrer. J'ai mis le booster. Hop. Dans la cabine, j'espère ça va le faire. Je vais regarder. Est-ce que du coup on voit ce que je vois. Si je fais ça. Ok, c'est good. Voilà. Donc je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que à la base, Germain devait venir pour qu'on le fasse ensemble. Mais je vais le faire moi-même. Parce que je me sens capable. Donc. On va faire ça dans la cabine. Donc pour faire ça bien, je vais mettre ça là. Je vais caler comme j'avais calé tout à l'heure de l'autre côté. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Bim bam boum. Ok. Alors, on va mettre la roue droite. Caler ça droit. On va te faire ça mon pote, tu vas voir, aux petits oignons. La roue, là c'est droit, mais est-ce que le moteur est droit? Je ne suis pas sûr.
Ok, je vais peut-être tester avec un niveau. Allez, un niveau, un mètre. Bon, ça va quand même être tendax, hein, je pense. Parce qu'il faut que ça soit quand même droit, comme ça. Tu vois, faut que ça soit droit comme ça. Il faut que ça soit à la même hauteur les deux. Je suis pas certain que déjà d'origine la tige soit de, soit bien droite. Tu vois. Là, je vais couper celui-là. Parce que déjà il me casse les couilles. Je vais couper juste celui-là, comme celui-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais celui-là, je vais foutre ici. Si je le serre bien fort. Bah en fait il va être droit forcément. Du coup après j'aurai juste à mettre celui-là à la bonne dimension. Ça se trouve j'aurai peut-être même pas besoin de refaire un truc complet. Donc là je vais déjà couper. Putain, je suis encore en train de travailler avec une veste neuve. C'est quand même ouf d'être pareil. Hop. Prendre ça quand même. Je sais ce que je peux faire. Regarde l'ingénieux. Je fais ça. On devrait pouvoir mettre le support dans la foulée. Ah ouais, ça va. Ok, donc là, le support moteur, ça faut le couper, ça, on peut le mettre au même niveau, tu vois, regarde, là la roue, ça frotte, par contre, je peux faire un tac, 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 tac. Ok, je vais essayer de faire la même chose que ce que je viens de faire pour le support. Oh, je me suis coupé. D'accord. Comment j'ai fait? Oh bah je me suis coupé avec la... Avec la... Le truc que j'ai coupé. Délire. Incroyable, j'ai rien senti. Une bête carrément. Je
suis pas un homme, carrément, je suis un surhomme. Le truc, il est tout neuf, tout peint. Je suis déjà en train de le sucer, le machin. Support, hein, putain. Ok, donc faudrait faire. Bam. Ça fasse ça. Et après l'inverse. Je vais mettre des lunettes quand même. Et je me suis bien coupé. Hein. Ça va être censuré carrément par YouTube. Mon tatouage, bordel. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, je me suis coupé, je le sens pas. C'est coupé où? Là, ça se voit même pas. Pas bien. Ah, la tête qu'il a, ma couille. Bon, on continue. Ça, on fait ça, tu vois. Eh, dis donc. Comment il s'appelle déjà? Oldies Custom n'a qu'à bien se tenir, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Si je fais la même chose ici, tu vois. Boum, boum. Quelques points de soudure, quelques points de suture, et on est bon. Putain, je suis pas un putain d'artiste sans déconner. Regarde-moi ça, bordel, j'espère que ça a filmé. Hein. C'est quand même incroyable. D'être bon à ce point-là. Regarde-moi ça. Comme papa dans maman, carrément. Emilia! Viens voir. Tu vois, si, franchement, tu vas me dire si je suis pas une machine carrément. C'est incroyable. Oldies Custom qui a bien se tenir, ma couille. Guette-moi ça. J'ai coupé le support. J'ai vissé celui-là. Comme ça, ça me cale. Je sais le centre de la roue, tu vois. Incroyable. Regarde, ça c'est le centre. Je l'ai coupé, bim, bim, bim. T'as vu le support ou pas? C'est fabuleux. Non mais mec, je trompe ou pas? Alors là, faut qu'il me ramène de la vis. Mais guette. Eh. Là, je fais deux points de soudure, là. C'est fini, c'est définitif, ça bouge plus, là. Attends. Ici, ils sont tous là, en train de se la raconter, là, à faire de la soudure. Moi, je te fais des châssis, des machins. Ben, moi aussi, mec. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Sur Danton. Dans ton château. Danton, en vrai, c'est pas ouf. Hein. Ah, on est d'accord. À côté de ce que je viens de faire, là, c'est pas ouf. Non, mais là, il fait des... Ben oui, ma couille, il fait des rolls, si des, rolls tout, des trucs de... On s'en bat les couilles, regarde-moi ça là, cette merveilleuse. Là, je vais faire une soudure, mon gars, tu vas voir. Là, t'as vu la soudure là? Ouais. Bah, je vais faire un truc qui aura rien à voir avec ça. T'es pas prêt? Donc, faut que je visse ça. Et puis, je vais caler, tu vois. Ouais. Une fois que ça s'est vissé, j'aurais plus beaucoup à remettre ça là, tu vois ce que je veux dire? On va rouler avec, ouais, c'est ça? J'ai bien compris. Même ce soir, là, je peux souter, gros, je peux faire un test. Hein. Vas-y. Le centre, on est en plein dans le centre de la du pneu. Faut juste qu'après je règle, tu vois, la hauteur comme ça là. Mmh. C'est tout. Mais là, une fois.
La roue arrière, qu'elle soit centrée avec quoi exactement? Avec le centre du cadre, pour qu'elle soit au milieu de... Tu vois? Parce que j'ai l'impression que la roue est centrée avec la roue avant. Ouais, bah c'est ça. Et que elle est pas centrée avec là. Mais c'est parce que le moteur est décalé. Ouais. Tu vois? Du coup, le moteur est décalé. D'accord. Mais je suis un tueur, carrément. Oh, je vais remettre la béquille de stand, comme ça je peux souder sans la roue. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, des belles soudures. Non plus que ça. Je vais vous regarder pour à la limite faire ça. Tu vois? Ça, si je le décale, je le mets jusque là. Je le visse à l'extérieur, comme on a fait de l'autre côté. Comme ça, ça c'est bon. Ça va venir comme ça. Je vais visser ça. Je vais le plier jusqu'à ce que ça arrive là. Tu vois? Genre juste à faire deux points et c'est bon. Je suis vraiment un tueur. Danton, on n'a qu'à bien se tenir, je te le dis, mon gars. Allez, petit bout de gâteau. Lunettes. Je suis la sécurité avant tout. Ça, comme ça, tu vois ou pas? Ah ouais, il manque un peu là. Il manque un peu. Ah non, rien. Voilà. Je suis vraiment une machine carrément. On va le meuler. Attends. Faut qu'il soit droit quand même. Voilà. Tu vois? On va pas se faire baiser. Je vais pas filmer quand je shoot. Parce que sinon ça nique la GoPro. Et on se retrouve après. Voilà. Un petit point de soudure là. Voilà. Histoire de figer. J'ai fait un point de soudure là. Un gros ici très moche. C'est pas très grave. Hop. On va pouvoir démonter ça. Et puis je vais remettre ma GoPro sur le crâne. Je t'invite à faire ça, histoire qu'on s'entende quand même respirer. Je retire ça. Je retire le moteur. Je meule tout ça. Je soude, je remeule et après je reteste pour voir. Et si c'est bon, on redémonte, on sable le cadre et on le peint. Et c'est parti! Je pense que ça va le faire. Allez, on redémonte. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi j'ai une galère avec mes AirPods là. En fait, il me lit mes messages, donc ça c'est cool. Et en fait, le problème, c'est que dès qu'il me les a lus,
Si je suis en train de faire quelque chose à côté, tu vois, genre, je sais pas, filmer par exemple, et ben en fait, il écoute tout ce que je dis. Donc, il me lit mon message, ou Amazon me livre, ou je sais pas quoi. Et en fait, il attend une réponse. Donc, il écoute en fait ce que je suis en train de dire à côté. Et pour lui, par exemple, là, je suis en train de parler, s'il me lit un message là, il va me répéter exactement ce que je viens de dire. Genre tout quoi. Et en fait, des fois, il s'éteint jamais le truc. Tu dis stop, il écoute pas, ça me rend ouf. Le truc, il rend dingue quoi. Je sais pas si ça vous le fait aussi, moi, mais vous, mais moi, ça me rend dingue. Enfin bref, et j'ai réussi à changer le paramétrage. J'ai réussi à retirer le truc quand je dis dis Siri là déjà. Je voulais qu'il me réponde au message quand je dis bah répondre, tu vois, et c'est tout. Mais il écoute absolument tout ce bâtard là. Enfin bref. Sur les vélos, ouais, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, bah, cap de vélo. Là, on va remettre la poignée de gaz. Aujourd'hui, je crois qu'il m'avait envoyé des poignées, je me rappelle plus ce que j'ai commandé. Des quoi? Des poignées. Ouais. T'en as pas vu, toi, dans le carton, non? Et je regarde ici, parce que comme j'ai mélangé entre ouais, la mobilette et puis celui-là, tu vois. Donc là, ça y est, on a remis le carbu. Le cap d'accélérateur, du coup, il est en train de le mettre. L'allumage, c'est bon. Là, on attend juste là les tétines qui manquent là pour remettre la pompe à eau. Et puis c'est tout. Hein. Après, on va pouvoir commencer à faire les premiers tests. Ah non, on va mettre l'amortisseur de direction là. Ouais. Donc on va vous filmer tout ça. Et après. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, on finit pour qu'il y ait. Ouais, bah ouais. Je vais pouvoir faire la pâte pour le pot d'échappement. Ouais. Bon, il n'y a plus grand chose là. Non, il n'y a plus grand chose. Après, bon, comme on disait, le moteur il est un petit peu comme ça, tu vois. Mais c'est pas très grave. Au pire, on bouffera du pneu. Mais normalement, ça devrait le faire. Tac. Là, on va souder. On va faire un petit point de soudure. Ça y est. Il a fait le tarot sur le T de fourche. Donc là, on va mettre. On va faire un petit point de soudure pour souder le qu'est-ce qui se passe là? Les roues. Tac, alors attends, faut que je me mette. Je me mette à la masse. Ouais, c'est un automatique. Ouais. En espérant qu'on prenne pas feu. Alors attends, faut que je te coupe le fil là parce qu'il est un peu trop grand. T'as déjà fait comme ça, c'est la merde. Obligé de mettre un amortisseur de direction parce que Germain veut de la sécurité. Il veut de la sécurité. Alors attends, c'est là, c'est là. Tac. Je pense que ce poste à souder, c'est le meilleur investissement que j'ai fait l'année dernière. Grave. Et on l'utilise que seulement maintenant. Alors en vrai, on avait utilisé déjà pour le G20 un peu là. Quoi, il fait une signature sur le cadre. Il y a un écrou. Hein? Un écrou. Ah. Il fout de l'écrou? Oui, pour que en plus il ici directement de l'amortisseur de direction contre le cadre. D'accord. Ça va être solide? Bah bien sûr ça va être solide. Il est en train de faire un pâté ma couille. Ouais, ça ira. C'est grave, tu m'étonnes. Il m'a vidé la bobine, ma couille.
Ouais, la vis que j'ai est trop longue. Ah ouais? Sinon on va la recouper. Ah ouais, faut recouper genre la vis, ouais. Attends, je vais faire comme j'avais fait pour l'autre. Ah ouais, avec un écrou? Ouais, c'est pas con, ouais. C'est serré, de toute façon ça bouge plus. On ressoule plus? Non, c'est bon. Ok, bon, je remonte l'allumage. Histoire d'être sûr de pas te voyer, quoi. Et puis, Non, mais pas mal, hein. Après on va attendre juste le... T'as juste le truc de la pompe à eau? La pièce de la pompe à eau, et après... Après on met le liquide de l'échappement. L'échappement, on va faire la pâte d'échappement, là, ouais, et puis c'est bon. Ah ouais. Ouais, c'est un truc de... Tu vois, si tu freines et que tu fais rien, ça freine. Ah ouais. Et bien en revenir, ah, ça ira pour l'instant. Ouais. Bon, j'ai plié la pâte, là. Bien, si tout va bien. Je vais mettre celle-là. Bien, on est pas mal. Putain, à l'œil, ma couille. Parfait. Ça va être nickel, ça. Bah oui. Je peux mettre un cylindre bloc, de l'autre côté, j'en mets un coup de pied au pire. Ouais, mais pas, sinon, hein. Là, tu la retors. Ouais, au pire. Tu ouais. La tords ici, tac, ah oui, juste avant. Ouais. Je vais la replier un peu ici, ouais. Ouais. Allez. Et puis voilà, on va tout serrer, ça. Impeccable. Ça se voit que t'as l'habitude de ce truc. Hop, regarde. Ah ouais, ça va le faire. Parfait. C'est parfait. On va voir comment on peut magouiller. On fixe peut-être déjà celui-là, ouais, d'abord. On va mettre deux vis là. Ça se met comme ça. Là, on va mettre ça là. Ça y est, on a. Alors il y a plein de trucs que je vous ai pas filmé parce que la GoPro a déconné, je sais pas pourquoi, bon c'est pas grave. Le pot d'échappement est monté. On a reçu les tétines, ça y est, elles sont là. Donc on va pouvoir les monter tout à l'heure, enfin demain matin du coup avec Germain, mais bon vous allez voir ça à la suite. Il a fallu qu'on retravaille aussi à l'intérieur là. Le truc en alu usiné, machin, au final ça frottait, l'hélice dedans elle frottait. Donc bah, il a fallu l'usiner encore. On a fini de monter l'amortisseur de direction. On a remis le radiateur. Donc j'ai rebranché tout ce qui est allumage. Là la roue est serrée, tu vois. Donc ça c'est bon. Donc là demain matin on remet le système de refroidissement. On a tout remis avec des riselants. On a remis le compteur d'eau, tu vois, de température, pour voir au cas où que ça chauffe pas. Donc là premier roulage, là on va emmener une tripotée de galets et des ressorts pour l'embrayage. Parce que le but c'est d'aller derrière, on a la zone là, et on va aller faire quelques tests. Donc là on va le tirer, on va resserrer un peu la fourche parce qu'il faut le resserrer tout bien propre. On met la selle et basta. Et là on fait premier test de route. Je suis excité de ouf, voilà. Donc et ben, ce qu'on va faire c'est que je vais pas vous filmer toutes les étapes pour la flotte parce qu'on s'en fout un peu. Mais on se retrouve directement sur la route. Allez, c'est parti. Allez, c'est n'importe quoi, franchement, les gars. J'espère qu'il va pas serrer parce qu'il faut faire les réglages carbu. Ah, c'est d'essence. Ah ouais, hein. Ouais. Comment t'as vu comment il coupe? Ah ouais, j'ai entendu. Ouais. Et par contre, pour gérer les départs, ça a l'air compliqué. Ah, parce que ça, hey, ça lève. Et en plus, t'es. J'étais mort, la direction, elle bouge. Faudrait que j'essaye en desserrant complètement que ce soit un peu plus mou. J'ai vu, mec, je vois tes pieds en plus, tu sais, il est en biais. Ouais. Parce qu'avec le contrepoids. Ouais, bah ouais. Moi j'essaye de. Ah, ça fait super bizarre. Par contre, fais chier, je peux pas rester gazant en rang. Ouais.
Ouais, parce qu'à mon avis... Il n'y a pas assez d'essence. Ah ouais, y a pas, ouais, il doit être trop pot. Il n'y a pas assez d'essence et du coup, dès qu'il arrive à un certain régime, il ne veut plus quoi. Bah sinon ça va, ça roule comment? T'as essayé genre tranquille là, ça donne quoi? Non, c'est chaud. Ça roule. Hein, ouais. Mais... Il est pas trop déséquilibré. T'as pas, tu sens pas qu'il roule en bien? C'est chelou quand même. Ouais. Ouais, parce qu'il y a trop de poids à gauche quoi. Ouais, mais je pense que ça c'est gérable. Ouais. Par contre, c'est vraiment de 0 à, je sais pas, 10 km/h. Ouais. Bah en fait, l'embrayage il accroche tellement. Ah oui. Il lève d'un coup. Ah oui, enfin, je suis pas habitué à conduire ça, donc ça doit être un compromis à trouver. Ouais. Tu vois, faut peut-être se mettre plus en avant et plus le cul en arrière. Je sais pas, mais je voyais ma couille, le crapaud, ma couille, les jambes par terre. C'est n'importe quoi, putain. Le pneu, il accroche, mon gars. Bah oui. Ouais, il est trop pauvre, faut qu'on le règle. Bon, il y a un peu de réglage à faire. Ouais, à mon avis, faut le régler. C'est n'importe quoi. Oh le bordel, ma couille, c'est un délire, hein. C'est un délire quand même, hein. Ah là, faut qu'on fasse des réglages. Ouais. Parce que la carpe, je peux pas. Non, ça va pour accélérer. Ouais. Par contre, enfin, je regarde, je me demande même si la transition elle est pas trop courte. Ah ouais, tu crois? Mais il y a tellement de chevaux que. Ouais. Il lève d'un coup le truc. J'ai l'impression qu'il tire trop court. Est-ce que c'est pas les galets, gros? Si, non sûrement, ouais. Il faudrait mettre plus lourd. Parce qu'après, t'as Parce le que compromis. Là, il est trop violent au départ. Ouais, ouais. C'est presque ingérable, il lève d'un coup. Ah ouais. Dès que l'embrayage accroche, c'est... il part. Ah ouais, j'ai vu. Faudrait que ce soit plus smooth, tu vois, je sais pas comment faire. Il doit y avoir des réglages à faire. Mettre des galets plus lourds. Ouais, tu penses, ouais. Déjà, c'est beaucoup trop léger. Ouais. Mais il y a du potentiel, non? Là, le truc, si on le règle bien, il ah bah... fait en 400 mètres, tu prends 150, quoi. De toute façon, là, faut faire un réglage qui... En fait, faut qu'on arrive à dégommer tout ce qui bouge sur 150 mètres, quoi. Ah, mais là, c'est sûr que ça va le faire. Ouais. En fait, faut le faire. Déjà, je pense qu'il va faire tirer beaucoup plus long. Ouais. Je pense. Ah ouais. Et lui, il fait pas contour, hein, c'est ça, hein? Non. Bah, en fait, là, on l'a pas branché. Normalement, il doit pouvoir faire, je crois, mais on l'a pas branché. Ou alors, c'est, il fait compteur de vitesse et température d'eau, je crois. Tu vois, 42, on est pas mal, hein. Ouais, là, on est bien. Ouais. Ouais, on est très très bien, même. Au final, t'as vu, ça a pas touché, hein? Non, ça n'est pas mal, hein? Ça touche pas. Je pense avec le poids dessus, etc., ça le fait, hein? Mais ouais, je pense qu'effectivement, faut peut-être le réglage vario embrayage, peut-être. Ah, mais c'est sûr. Et puis, il faut peut-être déjà, mettre plus d'essence, quoi. Que je fasse. Et au niveau du vario, je sais qu'il faut que je l'alourdisse. Peut-être l'enrichir aussi, parce que la carbe, elle va pas du tout. Et après, il y a un autre truc que je me demande, c'est au niveau du pneu, il doit y avoir moyen peut-être de le gonfler plus pour qu'il accroche un peu moins. Ah ouais. Bah parce que le start en fait il lève d'un coup. Ah ouais. Donc là c'est con. Ou alors faut vraiment, tu sais quoi, faut qu'on fasse comme on avait dit, hein, faut pas qu'il se coupe. Ouais. Et là je peux partir gaz en grand. Ouais. Mais après par contre si je pars gaz ah ouais, en grand, tu pars en travers, il bah, part c'est en ça, travers. C'est ça le truc. Mais ce sera plus gérable, je pense. Ouais. À mon avis, il faut trouver le compromis vario embrayage pour pouvoir mettre gaz en grand, quoi. Parce que mec, là, les vidéos que j'ai de ce scooter-là, avant, quand il y avait l'autre moteur, les mecs, c'est on-off, tu vois. Ah, et tu le vois, il part, mais ça se lève vite fait, mais il relâche pas l'accélérateur. Ouais, ok. Tu vois, ça se trouve... Ouais, il faut qu'on trouve les bons réglages. Ouais. Bah maintenant, et ça là, va être ça. J'ai l'impression qu'il tire beaucoup trop, quoi. Ouais. Comme un booster que t'as quitté, et... Mais celui qui part beaucoup, violemment. Ouais, parce qu'après, tu sens pas la transmission qui reprend cours, on dirait. Non. Tu sais, tu avais des boosters à l'époque, je m'en rappelle. Ouais. Tu sentais, c'était le départ, c'était le vario. Voilà. Ouais, et après, mec, tu sentais la transmission qui t'emmenait loin, quoi. Que là, j'ai l'impression que... Enfin, par rapport au mien qui a le même moteur. Ouais. J'ai l'impression que ça tire trop. Ouais. Bon, on va voir les réglages, quoi. Ouais, bon, écoute. Bon, allez. Retour à l'atelier et il n'y a plus qu'à régler. Retour à l'atelier les amis. Bon, Germain a déjà démonté le vario. Hein. Il a récupéré les galets, il a récupéré l'embrayage. Il a démonté le carbu aussi. Donc en fait, il a tout récupéré justement pour pouvoir faire les réglages. Lui, il va préparer déjà les réglages à son atelier.
Bon là, on a d'autres trucs aussi à faire à côté, donc on a la Porsche, enfin bon, j'ai une moto à faire, etc. On a des flingues. Donc on va s'arrêter sur cette vidéo, hein, pour le moment. Donc premier roulage, c'est fait, voilà. Donc maintenant, il y a pas mal de réglages à faire. On a aussi, on va refaire une petite commande chez Maxi Scoot parce qu'il y a des pièces à recommander. J'ai une sonde de température d'échappement qu'il faut que je commande. Il m'a demandé, enfin je sais plus, il m'a refait une liste. Donc on va refaire toute la liste et je vais passer commande. Comme ça, au moins, il n'y aura plus qu'à remonter, faire les 2-3 autres essais qu'il va falloir faire. Mais ça, vous verrez ça dans la vidéo prochaine. Donc dans la vidéo qui va suivre, ça sera finir de régler, on fait les tests, je teste, je vais commencer à faire des tests, rouler un peu avec, voir dompter la bête. Une fois que c'est good et qu'il n'y a plus besoin de régler quoi que ce soit, d'y retoucher, on redémonte tout, on peint, on finit la peinture de cadre, on finit les carénages, tout ce qui est esthétique, etc. Et là après, on attaque dans le vif du sujet, les gars. On va attaquer tout de suite, on va faire des runs et on va, je pense, commencer déjà à faire un petit duel contre notre ami Kevin qui est là-haut avec son petit S4. On testera contre la Porsche, on va essayer de toute façon avec les bagnoles qu'on a. Et après, enfin bon, vous verrez tout ça dans la vidéo qui va suivre, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était assez long. J'ai essayé de vous montrer un maximum toutes les étapes vraiment de bricolage. C'est vraiment pas évident de filmer en même temps et de faire les trucs. En plus, c'est un projet qu'on fait entre deux, hein, comme j'expliquais déjà dans la vidéo dernière fois. Mais voilà. Donc pensez à vous abonner, les gars, c'est important. Dites-nous ce que vous en pensez dans en commentaire. Et puis c'est pareil, hein, si vous êtes mécano et que vous avez envie de mettre votre petit grain de sel, eh ben mettez-le en commentaire. Ah, ben, je pense que c'est pas assez riche, je pense que c'est trop ceci, trop cela. Bon, il y en a qui vont ramener leur science, qui connaissent rien non plus, mais c'est pas grave. Mettez un petit commentaire, les gars, pour le référencement. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !